Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve devant un nouveau coffret, et même un nouveau format de coffret. C'est les premiers coffrets avec ce style pour le bloc écarlate et violet. Et on est sur le coffret Kourou Singe X. Franchement, très beau design de coffret. Tous les autres ont l'air de ressembler à celui-là. Après, on va avoir du Coraidon Miraidon en coffret sur les prochaines ouvertures. Ici, 4 boosters et 3 cartes promo. C'est indiqué ici. Bien évidemment, notre Kourou Singe X est la carte qui va nous intéresser. Ferro-Singe et Colo-Singe sont des cartes classiques que l'on retrouve ici en holographique. Au niveau des 4 boosters, on a 2 évolutions à Paldea, 1 écarlate et violet. Et un astre radieux. On va donc passer à l'ouverture, bien évidemment. Déchaîner la colère d'une rancune rageuse avec Kourou Singe X. Ça correspond bien à la façon dont on peut le jouer dans le jeu vidéo. Très très bien. Allez, on ouvre ce coffret. Franchement, ils sont un peu plus petits. C'est plus facile à ranger si vous gardez du scellé, comme moi. Ça prend moins de place dans les cartons. Allez hop, nos promos. Toujours plus simple à enlever. Comme ça, on n'abîme pas les bords de nos cartes. Et on va directement aller sur notre Kourou Singe X que je protège. 320 PV. Son attaque rancune rageuse qu'on a vu tout à l'heure. Et une autre frappe Atlas et c'est la promo. SVP FR032, très très bien, le même film que sur les ex classiques avec les petites étoiles, très belle carte, une de plus dans le classeur de promo, on complète, ça fait plaisir, le Ferro-Singe qui est une carte, comme vous le voyez, d'évolution à Paldea, seule façon de l'obtenir en holographique, c'est de se procurer ce coffret, comme pour le Colo-Singe. Comme ça, la famille est au complet. Encore une carte d'évolution à Paldea, bien évidemment. Le code du coffret, ça c'est pour vous, c'est cadeau. On a bien les deux boosters évolution à Paldea, le booster écarlate et violet, et un petit booster astre radieux. On retourne sur du bloc épée et bouclier. Voilà, on a fait le tour pour ce coffret. Maintenant, on va bien évidemment s'intéresser à nos boosters et on espère avoir une bonne pioche. Un ou deux hits, ce serait pas mal. Ne pas juste repartir avec la carte promo. On aime bien voir de belles cartes. Allez! Ici, on fait le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça faisait longtemps. Un sécateur. Serfrous. Out, out. Yanma. Krixik. Énergie obscure. Mélocric. Turbo Patience. Mateloutre. C'est un Magirève rare reverse. Ok. Et on finit sur un Seracrawl de Isui en rare. On était bien évidemment spoilé par le code blanc. Maintenant, pour écarlate et violet ainsi que évolution à Paldea, on n'a plus ce souci. Et on n'a surtout plus de manipulation à faire. On peut directement y aller. Patachio, Deden, Pomme de Pique, Flotillon, Pania, Charmina, Canarbello. La première reverse est un Scarino. Derrière, c'est la Pokéball. Et on termine sur un Tombero holographique. Pas la plus belle holo de ce set. Et puis, le code, comme d'habitude. Allez, il reste les deux boosters les plus intéressants. C'est l'extension que j'ai le moins complétée pour l'instant des trois présente dans ce coffret, donc il faut y aller. Elionceau, Rocabo, Pomme, Ambridex, Bleuzeil,
Mesmerella, Quencia, le Blitzy pour la reverse, derrière une autre reverse avec énergie lumineuse et on termine sur un Mimiki holographique. Beaucoup de type psy pour les holos pour l'instant, mais pas d'ultra rare et c'est quand même ça que l'on recherche. Allez, dernier booster, dernière chance, sinon le coffret aura été très moyen. Hein. Eh bien, Ferro-Singe, le voilà, mais en classique, bien évidemment. Cadoiseau, Mega Can, Love Disc, Ceinture Choix, Pomote, Forgella, la reverse d'Hexadron derrière. Une reverse aussi du Tauros de Paldea. Et attention, on termine sur un Spiritomb en holographique. Encore une holopsie, mais rien n'a se mettre sous la dent pour cette ouverture. On finit avec juste nos deux petites holos de Ferro-Singe et de Colossinge. Et puis notre promo de Kourou-Singe X. Voilà, c'était un petit coffret. On est plus là pour la découverte du coup, plutôt que pour voir des hits. Bien évidemment, d'autres ouvertures sur la chaîne. Toujours tous les items à découvrir. On a la petite boîte à goûter d'écarlate et violet. On a l'extension flamme obsidienne qui approche à grands pas. On a déjà eu de sacrées cartes. J'espère que vous avez été voir la vidéo précédente. On se retrouve pour d'autres ouvertures très très vite. Des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.